la célérité des travaux et l'implication personnelle du chef de l'État ont redonné de l'espoir à la population de Kimbundu. C'est depuis 1995. Nzela Zamba Telecom et Bebaki. Nzela Zalaki Lissousouté. En tout cas, Zamba Telecom population est souffrir et souffrir Bamboula et Bélé. Au lieu de 500 francs en transport, Kolongwa Zamba, Koko Matin Matadikiba, on a dépassé 5 000 francs, 10 000 francs. Tout ça, on a fait Maman Koko. Oh déjà kendaki bende ko sunga libota o ya Zamba Telecom na ba prix moko ya malamu mbe ya sungi fachi beton asali musala kitolo lonzela ebongi na yango wato pesi merci mina mokonza mboka na lo kitoko o ya selo to mwe ba konzi ba kitin zela ebongi nzela ko mi kitoko transport zungi normal na prix nango ya 500 francs 1000 francs OK matadiki bala pe ozungi. Maintenant l'espoir revient parce que le président de la République a décidé de nous redonner l'espoir. Et nous sommes très heureux, fiers de lui, pour ce qu'il vient de faire pour nous, pour ces quartiers. Et tout Kimbundu, tout quartier Malueka et tout le reste qui vont bénéficier du prolongement de cette route, et nous sommes heureux. Sur instruction du chef de l'État, le gouvernement de la République a débloqué tous les moyens nécessaires en faveur de l'EVD qui exécute les travaux. Le Premier ministre, les ministres du budget et celui des ITPR étaient dans la suite du chef de l'État ainsi que son directeur de cabinet. C'est dans le souci de s'enquérir des conditions de vie des Kinois, dans le but d'apporter des solutions durables et appropriées, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a initié une visite d'itinérance à travers la ville de Kinshasa. Première étape de sa visite, le quartier Kimbundu à Mbinza Telecom. Ce quartier est menacé de disparition à la suite d'une grande érosion qui a déjà englouti une quarantaine de maisons d'habitation. Des travaux de lutte anti-érosive s'intensifient, des collecteurs et des caniveaux sont en pleine construction. Nous avons des impressions de satisfaction et de remerciements à l'endroit du président de la République, les garants des institutions de la République, pour avoir pensé à ces habitants qui ont souffert depuis des années, qui ne savaient pas comment sortir. Quand on sort, on ne sait pas comment on va rentrer, par où on va passer. Quand nous avons vu le lancement de ces travaux, nous avons dit merci au président de la République, chef de l'État. Mais à un certain moment, le quartier n'était plus à 100% fréquenté parce que, vu l'érosion et autres, parce qu'on n'avait plus le goût du quartier, parce qu'il y a des gens qui ont vendu leur parcelle à 1 500 $, 500 $. Il y a une très grande revalorisation du quartier. En tout cas, il y a... On...